go, go, go. Adolfika retana tukatano ny la matinale ndray mitsika amin'izao mara izao. Andro antsika dia resaka makasika ny lamody miaro vola création no iaraka amintsika eto isankio ny vahiny anankiray tondrantsika ireo hoe karazana atin'akanjo izay tena miavaka tena ankafizin'ny vehivavy ihany koa. Azonao atao famezana ihany koa izy io na hoe azonao vidinana dia hoe tsy famezan'olona fa azonao vidina mba hoe ampifalifaliana indray ny ao an-trano ao e. Dia ankoatr'izay isy ny micro-trottoire izay hoe resaka ny fanaovana tamintsika teny an-dalambe teny makasika andreny hoe mpivarotra amoron-dalana indray matetika eno izy io hoe zao hoe mivarotra hoe ohatran'izao ohatra izao dia ny makasika an'izay indrindra no entina amintsika eo. Aloha raha tsika vetrany ary. La nature, gorgée de vie, vibrante, épanouie. Et au milieu, un surdoué, l'être humain. Doué pour tout, sauf pour vivre naturellement. Alors le corps se venge, il fonctionne moins bien. Il faut boire, faire travailler son corps, éliminer. Pour vivre plein, pour vivre bien. La ficelle coupée et restaurée. Alors voici maintenant un tour avec une ficelle qu'on passe comme ceci à l'intérieur d'une paille. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend la paille comme ceci, on plie la paille avec la ficelle à l'intérieur. Et là, on va demander à un spectateur de nous aider avec une paire de ciseaux. OK, voilà, on a une paire de ciseaux. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend les ciseaux et on coupe comme ceci la paille et la ficelle ensemble. Donc là, on se retrouve vraiment avec deux morceaux. Et là, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement les aligner comme ça dans notre main. Et là, on claque des doigts et là, regardez bien. En tirant comme ça, on se rend compte que la ficelle est intact, donc on a deux morceaux de paille et une ficelle qui est bel et bien intacte. Alors, l'explication maintenant. Donc, évidemment, pour arriver à faire ce tour-là, ça nous prend une paille, ça nous prend une ficelle et une paire de ciseaux, aussi pour la préparation. Alors, pour commencer, et voilà, on prend une paille. Et là, il faut faire une préparation secrète. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre soit un exacto ou encore une paire de ciseaux. Sauf que, bon, évidemment, il faut faire attention, il ne faut pas se faire mal. Si vous hésitez un peu, demandez à un adulte de vous aider. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une petite fente à l'intérieur de votre paille, hein, sur quelques centimètres environ. Alors, on commence par percer comme ça la paille et on fait une fente à l'aide de notre exacto ou de nos ciseaux. Et voilà. Alors, maintenant que notre paille est préparée, on place la ficelle à l'intérieur. Bon, évidemment, pour ce qui est de la paille, elle peut être placée à l'intérieur d'un autre paquet de paille et à ce moment-là, on peut la prendre à l'intérieur du paquet, donner l'impression que le tour est vraiment impromptu, qu'il n'a pas été préparé à l'avance. Alors, et voilà. Donc là, on se retrouve avec la ficelle qui passe de chaque côté comme ça. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que l'ouverture, je vais vous montrer évidemment l'ouverture qui est juste ici, là, que l'ouverture est vers le bas. De cette façon-là, quand on plie la paille, on la plie avec l'ouverture vers l'intérieur. Et là, lorsqu'on demande d'emprunter une paire de ciseaux, tout ce qu'on fait, sur le détournement d'attention d'aller prendre les ciseaux, tout ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur la ficelle. En tirant, ce qui va se passer, c'est que la ficelle passe littéralement au travers de notre préparation, comme ceci, et on se retrouve avec un peu la lettre A, comme ceci. Alors, tout ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est évidemment de placer ses doigts devant, hein, lorsqu'on a tiré, pour ne pas exposer notre préparation. Alors, évidemment, nos doigts couvrent notre préparation, on prend nos ciseaux, on coupe la paille comme ceci. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a deux morceaux de paille et de ficelle. Donc là, on place
Les deux morceaux. On peut même présenter la paille et la ficelle de cette façon-là. On a vraiment l'impression qu'on a deux morceaux. Et là, on place les deux bouts à l'intérieur de notre main comme ceci. Et là, tout ce qu'il faut faire, c'est claquer des doigts, tirer sur la ficelle. Là, évidemment, on se débarrasse des bouts de paille parce que c'est notre préparation secrète. Alors, on les place dans notre poche pour pas que les gens puissent les examiner. Et là, on peut donner la ficelle et montrer que la ficelle est intacte, qu'elle est restaurée. Et voilà. Ratina adio, si salamatsara nifnao, ampesona brosy nify sipitaton. Mety mifolaka ny tahony. Maivamaivana ny fandalovana eo amin'ny nify sy ny hihy. Nomena endrika manokana ny volo mba hanamora ny fiborosinana eny anelakelaky ny nify. Malefaka nefa mateza, ny brosy nify sipitaton dia natao ho an'ny nifinao. Raina vaovao indray tsika amin'ny anio ity izany hoe zavatra vaovao indray ny atolotry ny avola amin'ny anio ity. Misy ireo efa hitanareo ary misy ireo zavatra vaovao atolotry ny avola indray. Ka mihitsy manateny ny avola fa afinaritra ny zavatra atolotra ho anareo amin'ny anio ity ka ankafisy finaritra ary tompoko. Ensemble à Jean et Jetia à Tiktia, noir et blanc à Chan. Capartine à l'ambana pesaina tetu. Patalunia mbania, teita tiki sur figure à foot. Tia festa qu'il mange courta, yambuni, aita tiki sur figure à foot à Chan. Maline en arrière, petit modèle T, date à Tim, mais à Zomia Roulam 03240, 457 15, 03406, 089 82. Faimi Arvoula, diamano sur mesure, hein, des 48 heures à fit en commande Mario. Thank you.
robe droite noire indray ty aradiky ty a. C'est un coton nampiasaina taminazy. Ahitantsika découpe kely eo amin'ny tratrany. Afaka hoentina miasa tsara na mamonjy lanonana arakarak'izay hitondrana anazy. Maligne la rue du modèle Tia des une première fois la Tia sur mesure des 48 heures fit un commentaire des avec un maintenant 032 40 457 15 na 034 06 089 80 Je suis un peu plus de temps que je ne suis pas un peu plus de temps que je ne suis pas un peu plus de temps que je ne suis pas un peu plus de temps que je ne suis pas fax, imprimante, photocopieuse, économique. Papier double A, papier haute définition. Are you ready? Sairantsaina mitady akanjo an'ny ankohonanao ve ianao? Natao anao indrindra ny Maki Company ety Analakely. Misy izay rehetra ilainao ao an-toerana, na robe ho am-behivavy io, na t-shirt ho an'ny ankizy ihany koa. Isanjara ihany koa nefa raha lehilahy satria dia misy ireo karazana short nouvelle collection vatra ireny karazana sac sy pochette ary cartable ireny ihany koa sokatra ho anao mandritry ny tontolo andro ity tranombarotra ity dia mandray anao ihany koa ireo mpivarotra ao an-toerana mandritry ny tapakandro ny lahady. Tafiditra tao anatin'ny zanam-pandaharana rencontre indray tsika tovolahy iray no miaraka amintsika eto a. Osy ny anarany a, dia raisintsika fihetrahana izy miarahabanao. Faly miarahabany Madame Lalaina, dia miarahaba ihany koa ireo mpijery sy mpanaraka ny fandaharana raha matinal atao amin'ny zanam-pandaharana rencontre. Inona ny vaovao? Ny vaovao zany a dia mikasika momba an'ilay fiainam-pitiavana zany satria maniry ny tady silam-panahy zany amin'ity fandaharana ity a ka mba azo izay tena hoe mifanaraka sy mifanentana amin'ny ny safidiny fo zany na dia hoe marina aza fa tsy misy ny tonga lafatra dia mba hoe miezaka manatona manakaiky an'izay zany no fisian'izao fandaharana izao. Idirantsika lalindala izay rehefa avy eo fa afaka lazainao mijery antsika ve mombombonao satria izany olo tady silam-panahy zany a mba tiany olo fantarina na dia hoe sombotsombony ihany azy. Ny mombamomba azy zany a ny anarako a dia Rakotomanina Rainandria Mampandry Oswald Graham teraka tamin'ny taona efatra amby fitopolo sivinjato sy arivo izany hoe fito amby telopolo taona amin'ny volana marsa ho avy izao zany. Za dia efa nanambady tamin'ny volana avrila 2010 fahasivy amby roapolo ny volana no vita ny raharaha ara-panjakana tamin'ny fomba makotrokotro kanefa nampalahelo fa tamin'ny sivy amby roapolo aogositra dia voatery tsy maintsy nifarana tanteraka izany lay fiarahana d
lasa nody tamin'ny aman-dreny le vehivavy niaraka tamiko izany dia miverina ho célibataire indray ako dia manarina ny fiainana samirery mitombokeo izany dia tateo aoriana nafantatra ny fisian'ny fandarana la matinala dia faly be sa dia vonina indray anjara amin'ilay izy a fa tena manampy be da be anazy zany ny fisian'ilay fandarana Vao efa bolana izany ianao nanambady dia nisaraka tamin'izay fotoan'izay? Dia nitompoko vao efa bolana. Dia vonina hamadika amin'ny pejy amin'izay izany amin'izao fotoana? Hamadika amin'ny pejy satria ny fisehoan'ilay fisarahana izany a dia intelo miverina ny fandrahoana mpisarahana. Dia izy ihany koa ny tady ny fisarahana tanteraka ary nanaiky anao sy ny taratasy ho amin'ny fisarahana. Dia nanaraka ny bokina trany ako a fa izany rehetra izany tsinona dia niampy a andreo fahatsom-panantenana teo amin'ilay fiarahana izany ka ny fahatongavan'io fahatsom-panantenana io dia vokatry ilay fandavany ny sy ny fizahantoetra maharitraritra kokoa teo amin'ny fiarahana izany Tsy idirantsika lala mahakasika an'izay fa aloha mombamomba anao manokana ny iverenantsika kely aloha hoe mananjanaka ve arak'izay hoe vao efa bolana ny rahan'izay dia mazava ho azy fa mbola tsy mananjanaka ary manarak'izany moa tsy tiako hoe olazaina eto ilay izy nefa mety hanampy an'ilay fanazavana dia marary izany izy tsy afaka hoe mbola mananjanaka dia tsy possible izany hoe mananjanaka aloha hatreto Ankoatr'izay miasa inona ny mety hoe andraikitra andavanandro? Ny andraikitra andavanandroko izany a dia miovaova matetika raha hoe hatramin'izay naina nanjerena fa amin'izao izany izao dia mpivarotra no asa ataoko a epigargoty ao akarobato ao dia miara-miasa amin'ny rahalahiko a izy manao epibara ery amin'ny sosantsety izany dia izay izany ny asa mandrarahako izany a sy ny zavatra ohatrany hoe andaniako ny androko tontolo andro azo lazaina hoe mahaleo tena moa izany teo aloha izany dia niankina tamin'ny rahalahiko indrindra izay ny antona na tsy diako azy fa amin'izao tsika miteny izao dia efa ezahany hoe atao miezaka mahaleo tena vitan'ilay izy ohatrohatra ny ahoana kosa ary ny toetranao satria ny fijeriko anao izao ohatra ny somary tsy dia be resaka loatra raha ny toetrako izany a dia azo lazaina hoe olona tsotra tsy dia matady vazivazy tafahoatra ary ty zavatra hoe tonga dia marina tady zavatra ohatrany hoe mety avy an-trana izany fa tsy manao zavatra kitotoa eo izany ny toetra izay tena ohatrany hoe tsindriko mafy izany ny hoe mety mampiavaka angambany a dia sarotsarotiny a eo amin'ny fanaovan-javatra sarotiny amin'ny ahoana karazany be da be mantsy ilay sarotiny ilay sarotiny izany dia tiako ilay olona hoe anao zavatra marina tsy misy kivazivazy na hoe kitoto izany a ary tsy misy lainga koa na fitapitaka ary ny tsy tiako indrindra dia ny ohatra hoe mampanantena tsy misy na mampanantena fitaka ny raisiko ohatra izany hoe ohatra izany miteny ilay olona hoe zahako a rehefa misaraka aminao zao a dia tsy hanambady intsony nefany a avy eo a tsy andriny akory ara la fotoana isarahana fa efa misy olona mikitikitika azy any aoriana ohatr'izay izany ny endrika ilay izy ankoatr'izay fitaka ohatran'izay satria izay zao tena any anatin'ny hoe zavatra efa tena sarotra be mihitsy ny fitiavana raha teo tonyketsaka raha afindra dia maniry zavatra hafa mihitsy fa ankoatr'izay mety hoe tsy zavatra tsy tianao ilay ao an-tokantrano na ohatran'izany ny zavatra tsy tiako ao an-tokantrano angamba dia miankina avy amin'izay zavatra ihany satria raha tena zohina izany dia azo lazaina hoe malalaka ihany ilay fahafahana miara-miaina amiko hoe tsy tena hoe olona lozan-tany na masika na ahoana fa azo iaraha-monina satria amin'izao tsika miteny izao zao rehefa lasa ilay vadika io a dia nianabaviko niara-mipetraka tamiko ary tamana tsara izy amin'izao ao dia mety misy fotoana hoe somary manitsy a ny zavatra izay everiko hoe tsy mety satria tena tsy zakako ny zavatra hitsiko izany dia tsy atao andolo-po nefinona hoe mahatezitra be izany a fa izahana diniana sy lanjalanjaina na fakafakana mihitsy ara nyfandraisana an'ilay izy
Ary mba mandray andraikitra ve no tokantrano sa hoe amaray fianakaviana dia ny asa atao zao amin'izany mpivarotra zany a dia ohatra hoe metsena maka ny entana amidy a dia amay ampigaro kôtenle izy dia manao sakafo masaka mahandro a miservira dia ohatr'izay zany no izany hoe mameno izay tsy vitan'la olona miara-mipetraka eo zany no ataoko. Ianao moa zany tsy matatry rehefa hoe vasivasy sa misy vasivasy tatinao dia misy tsy tatinao, matotra be foana zany ianao isan'andro? Eo amin'ny resaka hoe vasivasy izay zany a dia tsy voafaritra ny hoe tatiko sy ny tsy tatiko fa mety misy sinona angamba afantarana hoe efa tsy tatiny hoe tsy miteny tsony ohatra mety miara-mifampisangisangy eo hoany hoe dia mipetraka tapoka nefa rehefa ohatra hoe atreo indray ny ihany sady koa ianao zany mety hoe amin'ny fotoana hoe tsy tokony hisiny izay zavatra izay a dia mila avahana ilay izy. Ary ny fialambolinao koa sary mbahina satria maro mafimafy an'izany asana mpivarotra izany? Ny fialamboly izao a dia betsaka ny fialamboly tiako a fa noho izaho mpivarotra dia kely na mba tsy ilazana hoe tsy misy ny fotoana fahako miala voly izany nefa moa miankina amin'ny hoe raha betsaka indray olona manampy sy miara-mipetraka eo a dia mety afaka manana fotoana fahana miala voly a. Ny fialamboly tiako a jery tele mitsangatsangana mitondra fiara satria izaho manana permis complet a tendry zava-maneno a mihira mandeha tsy voafetra zany la fialamboly fa mety daholo. Inona ny tena hainao amin'ireo satria mitendry sady mitendry mihira mandeha ny hainao daholo ve zany ny tiako teneny? Ny hoe tena hay daholo aloha ilay izy tsy afaka milazan'izay satria ny olona miaino no mitsara an'la zavatra vita ny olona mijery zany mahita hoe tsara na mety la zavatra. Aloha mena sady ary larina taribia fahana nifanerasera mivatana aminao? Misy laharan-taribia telo zany a voalohany 033 24 872 48 032 83 623 94 034 37 783 72. Mandeha daholo izy telo ireo? Mandeha daholo ireo. Saky nina ny afaka mandray antso? Ny tena mety amiko raha hoe fandraisan'antso dia amin'ny alina partirany amin'ny valo sasany eo eo angambany. Fa amin'ny atoandro tsy mandray telefona? Na ohatra hoe après midi iny. Maraina tsy mandray telefona? Maraina zany tena sarotsarotra amiko ny andray telefona satria mivezivezy aho zany amin'la manao an'la asa io dia eo any tena plus ou moins occupé. Efa ny tiako tenena nefa ny ahy raha vao mandeha ao anatin'ny rencontre ianao a dia aniny foana ny finday anao a vao manomboka mipitra ny laharanao dia tsy afaka mandray antso mihitsy ianao? Iazahako raisina daholo izay tonga ao a fa izy ity moa izany fitadiavana silam-panahy dikan'izay zany a dia mila olona anankiray ako a ho namako a ho taolatezako a mandritry ny androm-piainako ao amin'izay ary atao lesona ny zavatra tsy mety teo aloha zany dia hojereko zany izay olona mamaly ny antsoko a ary isaorako meloha dia eo aho zany misafidy hoe izy amin'ireto a ilay anankiray ho raisina fa mifanentana sy mifanaraka amin'ilay fandreny. Mikasika an'izay taolatezanao izay ohatrohatra ny ahoana indray mombamomba azy raha nyfandrianao? Mombamomba azy aloha zany a dia tsy voafetra hoe teratany malagasy fa na vahiny aza dia manarak'izay a eo amin'ny endrika amam-bika zany a dia tiako raha lava volo izy a somary mitovitovy alava amiko zany fa tsy lava loatra dia lehibeany koa tsy vaventy loatra nefa tsy kely loatra koa dia tsy manana problema eo amin'ny resaka fananataranaka ohatra olona miezaka mitady ny lavirary sy ny tsara trany eo amin'ny fiainana. Nyresaka taranaka ianao teo a nytenanao teo hoe mila olona afaka mananjanaka, ahoana kosa raha olona efa mananjanaka mihitsy ilay olona miantso anao? Ny amin'izay zavatra izay zany a dia ny eritreretiko zany mba raha mety a dia mbola tsy mananjanaka fa
satria manahirana le zaza hoe zanana zany amin'ny lafin'irana dia mieritrereto kokoa raha hoe momba an'la olona io zany a dia mbola somary tanoranora izy raha taonany jerena eo amin'ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny telopolo taona eo eo zany dia matotra vonona hiatrika an'izany atao hoe fiaina tokantrano satria ny zavatra hita zao hoe amin'ny resaka tokantrano a le tsy fahazakana an'la fahaleovantena tokantrano dia efa antony mety marava sy zany hoe fosotra eo amin'la fiarahana zany olona miasa kosa ve sa hoe hiara-iasa aminao hiara ivelona aminao sa hoe olona manana ny asa manokana sa tianao izy hijanonao tokantrano fotsiny zany hoe karakara tokantrano ny amin'izay lafin'izay indray zany dia tsy malalaka be zany zay tsy maneritery ako sady manana ny safidiny izy a fa tiako apetraka fotsiny a dia samy manana mety hoe samy manana olana zany ohatra eo amin'ny fiarahana dia mifampatsapan'izay zavatra zay a mifanampy a ahoana ny fomba anaovana n'ity zavatra ity a ahoanany amin'ire a dia raha miasa moa izy a dia arabasoa arabatsara fa dia efa tsisy olana zany aminao manokana ahoana zany hoe fanambadiana izany mety hoe fotoana voafetra satria teo aloha zao anao hoe efa bolana dia nieritreretinao izany fanambadiana ve raha mahita soma tsara ale hoe silam-panahy ianao amin'izao fotoana izao mety hoe ahatra heri taona roa taona telo taona sa ho mandrakizay sa ahoana mety ho fandehany izay indrindra eo amin'la zavatra mikasika an'izay zany a eo amin'ny firesahako taman'olona matetika ny hoe tsy ny manambady ny raty satria tsisy manakana an'izany mihitsy fa le faharetan'la izy zany a dia misy ny naharitra ela teo amin'ny fiarahana misy ny vetivety di rava zany ka amiko zany zany fanambadiana zany tsy kilalaonjaza fa mila tena maharitra hatramin'ny farany zany dia mba ho fitsinjovana an'izay faharetany hatramin'ny faran'izay a dia izay indrindra nao namafisana an'la fotoana fizahantoetra hoe tena mifamatotra sy mifankaty tsara vao miroso amin'ny lalindalina kokoa zany inona zany faritra mandrakizay la silam-panahy raha ohatra ka hoe mifanitanareo ro inoko fa haritra mandrakizay la silam-panahy satria ialako tsiny fa ohatra ny somary mihoatra kely zany la filazako hoe ohatra ny efa fatapatatra ihany la olona ho avy eo anatrehako zany amin'ny fotoana io zany hoe mikendry zavatra zany e ina nkendrenao mikendry an'la olona zany hoe olona ohatraohatra izao no tiako ho avy a dia iny no ezahako raha mbola ohatra hoe tsy efa lasa nanambady izy na sanatre hoe efa tsotso dia inona zany ny antony hoe hidiranao ato anatin'ny fandarana rencontre raha efa fantatra hoe ry ny olona hiaraka aminao ity fandarana rencontre ity zany no manampy anahy hahafahana mahita azy satria raha ohatra zao ka mipetraka eto dia tsy afaka ny ahita olona any amin'ny provinsa na any ampitandranomasina fa ny diffusion no aingana kokoa dia iza io olona io ary dia tsy tonga dia hoe mipetraka kosa nefa hoe fantatro ny anarany fantatro momba azy fantatro ny endriny a fa manakaikaiky an'izay zany ny sary ao an-tsaiko amin'ny fotoana iandrasako azy zao zany hoe mbola tsy hitanao zany la olona fa ohatrany hoe nofinofinao mbola tsy hitako izy fa nofinofoko zany ohatrahatra ny ao anary la nofinofo eo aneritreritra ao nofinofo eo aneritreritro zany a dia efa voalazalazako teo ihany ngambany fa ny eo amin'ny endrina zany ngamba dia ataoko hoe rehefa mahafatifaty izy e raha tsorona zany dia ohatrany hoe misa de madagasikara na misa internationala no tsiritina kanefa moa inona maratsy raha tonga amin'izany nefa raha tena tsy hotratra zany a dia izay anjara ao dia hifaliana zay zany ny tena zany hoe tsy manana zavatra tena ho faritana be a zany ny amin'izay zavatra izay eny ary aloha verina trany laharana taribia fahana amin'nre miantso mivatana anao misy laharana telo moa zany a 033 24 872 48 032 83 623 84 034 37
Et la sécurité à la portée de tous. J'avais besoin du très haut débit. C'était un rêve. Aujourd'hui, ça y est, c'est l'Internet 4G Blue Line. Une révolution. Je peux travailler chez moi, vite, très vite. Plus d'attente. Avant, je rentrais de l'étranger, là où l'Internet est illimité et ultra rapide. Je me disais, oh là là, quel gain de temps. Maintenant, c'est ici, ici à Madagascar. Bravo Blue Line. C'est ce qu'il me manquait. Rappelons que dans certaines copropriétés, la pose d'un parquet est soumise à une réglementation particulière. Cette réglementation concerne généralement la pose obligatoire d'une couche d'isolation phonique répondant à des normes précises. Le non-respect de ces réglementations peut imposer le démontage du parquet et donc sa destruction. Il est indispensable de bien lire le mode d'emploi du fabricant et de se conformer à ses instructions, autant pour la préparation que pour la pose. La pose d'un parquet flottant consiste à superposer quatre éléments. Le revêtement de sol actuel de la pièce, l'isolant contre l'humidité qui doit être placé en contact direct avec le support, l'isolant phonique qui doit être placé entre le film polyane et le parquet, le parquet constitué de lames emboîtées et collées entre elles, sans fixation au support. Le parquet ne doit jamais être posé sur des supports irréguliers comme la terre battue, les tomettes, les dalles irrégulières, le gravier, etc. Le parquet flottant peut être posé sur une moquette rase, de l'aggloméré, un carrelage ou une chape en ciment. Il peut être aussi posé sur un ancien parquet. Dans ce cas, la pose du nouveau parquet devra s'effectuer perpendiculairement à l'ancien parquet. Le support doit être sain, propre, sec, lisse et plan. Un support sain est un support qui tient et surtout qui ne s'effrite pas. Il est, par exemple, impossible de poser du parquet sur un sol qui produit du sable. Avant la pose, le sol doit être nettoyé et débarrassé de toutes ses aspérités. Il est indispensable de gratter les taches épaisses ou toute autre surépaisseur rencontrée.
parquet ne doit jamais être posé sur un sol humide. Ainsi, les chapes en ciment doivent être totalement sèches avant toute opération de pose. À partir de sa réalisation, une chape doit avoir séché au moins 15 jours par centimètre d'épaisseur. Ainsi, une chape de 3 cm d'épaisseur doit sécher 45 jours. Le support ne doit pas présenter de zones affaissées ou creuses. Pour le contrôler, faites glisser sur le sol une règle d'un mètre de long. Aucune partie de la règle ne doit être éloignée de plus de 2 mm du sol. Dans le cas contraire, repérez les zones incriminées puis les comblez à l'aide d'un enduit autolissant en respectant bien son temps de séchage. Le film Pollyanne se pose directement sur le support sans y être fixé. Un simple cutter et du ruban adhésif large sont nécessaires à sa pose. Déroulez le Pollyanne. Posez une plinthe à plat sur le sol, le long du mur. Rabattre le Pollyanne sur cette plinthe et le découper. Le film remontera ainsi sur le mur d'une largeur égale à celle de la plinthe. Les LED de Pollyanne doivent se recouvrir largement et être maintenues entre elles par des morceaux d'adhésif. La sous-couche doit être placée dans le sens de la largeur de la pièce, c'est-à-dire dans le sens inverse du parquet à poser. Déroulez la sous-couche. Coupez des laits en les laissant remonter légèrement sur les murs. Placez les bandes bord à bord sur le film Pollyanne et collez-les entre elles à espace régulier à l'aide du ruban adhésif. La sous-couche ainsi constituée est simplement posée sur le film Pollyanne. Le parquet flottant impose un jeu périphérique. C'est-à-dire qu'il doit subsister un espace entre le parquet, une fois posé, et tous les murs de la pièce, ainsi qu'autour de tout obstacle présent dans la pièce, comme un escalier, une cheminée, un pilier, des baies vitrées, etc. La largeur de cet espace doit être de 1,5 mm par mètre linéaire de largeur de parquet. Soit par exemple, pour 6 mètres de largeur, 6 x 1,5 égale 9 mm. Mais il ne doit jamais être inférieur à 8 mm. Ce sont des cales en bois ou en plastique qui vont maintenir le jeu périphérique tout autour de la pièce. Chaque lame comporte d'un côté une languette, de l'autre une rainure. Une première rangée de lames doit être posée le long du mur. La languette côté pièce, la rainure côté mur. Les rangées suivantes viendront ensuite s'emboîter et se coller les unes aux autres, languettes dans rainure, sans fixation sur la sous-couche. Arrivé au bout d'une rangée, il faut couper la dernière lame et utiliser la chute ainsi constituée pour débuter la rangée suivante. Un espace d'au moins deux fois la largeur d'une lame doit séparer les joints de deux rangées successives. Les lames doivent être collées entre elles, seul le côté rainuré est enduit de colle. La colle est déposée régulièrement sur le haut de la rainure. Un éventuel excès de colle doit en effet s'échapper vers le haut et non vers le bas où il ferait adhérer les lames au support. Essuyez immédiatement tout excédent de colle qui pourrait s'échapper d'un joint. Pour scier, utilisez un établi ou le plateau d'une table sur lequel vous aurez fixé deux cales pour bloquer les lames afin qu'elles restent immobiles. Si vous utilisez une scie sauteuse, reportez le trait au dos de la lame et sciez-la de ce côté afin d'éviter les éclats. Marteau, un cutter, des tournevis, une scie à bois,
un mètre, une équerre, un crayon gras, de la colle à bois et des chiffons. Certains parquets sont livrés avec des kits de pose comprenant généralement une batte en bois à placer entre le marteau et les lames de parquet, un outil spécial qui permet l'emboîtage des lames, des cales en bois ou en plastique. Si la pièce comporte des tuyaux qui doivent traverser le parquet, une scie sauteuse et une perceuse doivent être prévues ainsi que des mèches à bois d'un diamètre légèrement supérieur à chaque tuyau. La pose débute dans le sens de la longueur de la pièce. Coller. Voici maintenant la pose de la dernière lame de la rangée. Mesurée en simulant le jeu périphérique à l'aide d'une cale. Reportez la mesure sur la lame. Tracez, sciez, collez. Vérifiez l'alignement. Même si le mur n'est pas droit, les lames emboîtées doivent former une droite parfaite. Compensez alors les inégalités du mur en comblant les espaces qui peuvent subsister. La deuxième rangée peut maintenant être commencée. Encollez la rainure toujours sur sa partie supérieure. Utilisez la chute de la rangée précédente pour commencer la rangée. La batte en bois est utilisée pour bien emboîter les lames sans avoir à frapper directement sur le parquet. Encollez la lame suivante sur le grand et le petit côté. Placez-la en biais et tapez en remontant régulièrement vers la jonction. Emboîtez ensuite dans le sens de la longueur. La pose s'effectue ainsi jusqu'à l'autre mur. En fin de pose, le jeu périphérique est maintenu en découpant les dernières lames dans le sens de la longueur, si nécessaire. Utilisez l'outil spécial pour emboîter la dernière lame de parquet. Votre parquet est posé. Attendez au minimum 2 à 3 heures le séchage de la colle. Ôtez l'ensemble des cales. Découpez le film polyane au ras du parquet. Posez les plinthes soit en les vissant, soit en les collant. Inévitable de créer des découpes dans les lames lorsqu'on rencontre des retours de murs rentrant ou sortant au cours de la pose. Toutes ces découpes doivent être effectuées en tenant compte du jeu périphérique. Placez une chute de parquet contre le montant de la porte et entaillez celui-ci jusqu'au mur. Éliminez la chute au ciseau à bois. Glissez le parquet dessous, toujours en maintenant le jeu périphérique. Collez. Utilisez un profil aluminium adapté pour permettre la jonction des deux niveaux différents. Tracez l'axe du tuyau sur la lame à poser. Mesurez ensuite la distance entre le centre du tuyau et le mur en simulant le jeu périphérique avec une cale. Percez le passage des tuyaux. Tracez en biais. Emboîtez et collez le morceau arrière. Posez un cache-tuyau pour parfaire l'ensemble. Les taches de colle s'il en reste. Suivez les instructions du mode d'emploi pour appliquer ou non une couche de polish suivant le type de parquet que vous avez posé. Votre parquet demande un entretien des plus simples.
passez régulièrement le balai ou l'aspirateur. N'utilisez jamais d'eau, préférez si possible un balai à franges imprégné d'un produit d'entretien. Il est indispensable de disposer des feutres sous les pieds de table et de chaises et sous tout ce qui pourrait rayer la surface du parquet. Un paillasson aux portes d'entrée retiendra d'éventuels cailloux accrochés aux chaussures. Un environnement sain est nécessaire à la bonne conservation du parquet. Une hygrométrie ambiante de 50 à 60% pour une température de 20 degrés représente les conditions idéales. Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre parquet. Big Snoop Dogg and Wiz Khalifa. See on the West Coast, I'm the winner. Bang. Vous ça vous nie. B29. L'Hervia. L'Hervia à base de lait et de miel. L'Hervia purifiante et rafraîchissante. L'Hervia protège et nourrit votre peau. L'Hervia, riche en protéines et en éléments naturels hydratants. Savon de toilette L'Hervia, doux pour la peau. Miarabanareo mpijery any tokantrano, zahay izany dia société audace manao resaka lingerie pour femme sy maillot de bain. Manana collection maromaro zahay, ny nouvelle arrivage nay zao dia ny collection sexy et séduction. Toerana misy anay dia à l'Arbia, misy showroom dia afaka mandalo any ny mpijery. Fa misy ihany koa ny lara tarbia izay misoratra eo ambany io ahafahana miantso. Ny tena mampiavaka anay dia ny qualité ny zavatra atolotra ay ensemble daholo moa izany no anananay ao na maillot na lingerie fa saingy kosa afaka izay manatona anareo raha tsy afaka mankany amin'ny showroom dia miantso amin'ny telefona dia misy hôtesse tonga any aminareo mana présenter une collection anay izany manatona anareo izany izay anisan'ny mampiavaka anay koa. Ny prix ny zavatra ao aminay izany tsy dia lafo raha raisina amin'ny qualité any fa à partir de 50 000 ariary eo izany ny vidiny miakatra. Misy kolera isan-karazany misy dentelle, misy licra, misy izay tadiavina rehetrarehetra indrindra fa amin'izao fetin'ny mpifankatia izao dia afaka manatona anay ianareo mijery. Ny tay dia misy ho any rehetrarehetra na ho ana olona kelikely na ho ana olona lehibebe dia manana izay mety aminareo tay S, tay M rehetrarehetra. Ny olona manao ny lingerie anay izany dia créateur izy sady couturier malaza Pascal Morabito dia anazy daholo ny collection présentenay izany. Amin'izao herinandro mpifankatia izao dia tsara dia tsara raha misera mba amenao karazana fanomezana tena mety amin'ny Saint Valentin izany le ensemble lingerie. Dia ohatr'izay koa ho antsika vehivavy tena tsara tokoa raha mba manao zavatra miavaka, manao zavatra tsara amin'ny fety io mba entina ankalazana an'ilay fety ny mpifankatia mba atao miavaka amin'ny andavanandro. Ny zava-dehibe ho anay société audace izany dia no manome an'ny olona izany hoe atao amin'ny teny vahiny hoe créer l'envie izay le izy izany hoe any amin'ny vehivavy indrindraindrindra mba ho tia mpiasa sy hitondra ireny lingerie ireny izay zavatra anisany hoe mety hoe kely any anaty akanjo nefa tena zava-dehibe tokoa ao anatin'ny fiainan'ny olondroa indrindraindrindra.
thé, ni maillot de bain quoi, ça risque rien de tsara, afinarcha, bah wanona de wantena noir de bazavata tsare, c'est un tena lisantine itarita nansenni veivavrecha, bah anana zavata tsara ne natia kanzoani. Tsara de tsara en qualité en lamba, coton, de mis dentelle ko izy ireo an de misy likra zany hoe mame confort tsara ho an'ny vatana de anaraka tsara ny toetrandro koa la mode tsara ho izy ny fitenenana ary tendance zany zany hoe zavatra tsy efa taloha misy arrivage foana manaraka ny la mode vaovao hatrany an ny collection présentée ny société Audace. De miandry anareo zany an izay société Audace miandry anareo vehivavy ny collection sexy et séduction atsony larana eo ambany io fa afaka mitondra ireo collection rehetrarehetra ireo izahay an any an-tranonao mipresente anao andreo zavatra rehetrarehetra ireo na koa manatona vetrano ny showroom ao Alarobia misy showroom lehibe ao daholo ny ankabeazan'ny collection anay de manao veloma anareo mpijery ary manantena ny fahatongavanareo sy veloma tompoko. Savon B29, mety amin'otra rehetra. Manadio, mitazona loko, manitra noho ireo singa natoraly ao aminy. Savon B29, manala tanteraka ny loto. Savon B29, ilay tsara. Pizza de qualité, pizza de quantité, pizza Wanda Wulpe. Izay tsisy ny isan'ireo mpivarotra amoron-dalana mampiasa ny sisina arabe izay tokony ho an'ny mpandeha an-tongotra amin'izao fotoana eto andrenivohitra. Eo anatrehan'izay dia mitohana ny fifamoivozana ka voatery tsy maintsy mandray fepetra ny kommunina Antananarivo renivohitra manala ireny mpivarotra ireny izay ambarany mofo fa tsy nahazo alalana. Saika lasa fahazarana ho an'ny mponina eto andrenivohitra arak'izany ny fahitana ny fifanenjehana eo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo sy ireo mpiasan'ny kommunina izay manatanteraka ny baiko avy amin'ny tompona andraikitra voalohany ny tanàna. Olom-pirenena vitsivitsy ary no nanontaniana ny heviny momba ny fahitana izay mpivarotra amoron-dalana izay sy ny fandraisana andraikitra ireo mpiasan'ny kommunina ireo. Mety aminao ve ny fisian'ireo mpivarotra andrenivohitra indrindra dia ampivoatanana? Raha ny fijeriko an'le izy a miainga amin'le contexte eto Madagasikara mihitsy zany hoe fahita za mipetraka eto Saralalàna eo Saralalàna eo mipetraka atsika eto amin'ny kazan'ny fifankatiavana moa de hitako tsara ny fanenjenan'izy ireo de lasa ny eritreritra satria hoaiza ry izy ireo rehefa isy olona amin'ilay mivarotra ireo amoron-dalana? Ilay mpivarotra amoron-dalana ireo moa zany dia tena marina tsisy fivelomana izy satria ao anatin'ny krizy tsika izao dia tokony tsy enjehana mihitsy izy fa avela hivarotra normala izy fa mampalahelo satria tsy hitan'izay amelomany tena raha ohatra hoe anona ny fanjakana nefa tsy hanome asa amin'zareo fa tokony mba jeren'ny fanjakana zany ilay vahoaka matsinika fa tsy manao diri-jadona ohatra izany.
tena fahitako an'ilay mpivarotra amoron-dalana aloha izany amin'ny de ny amin'ny tombo ilay mpivarotra amoron-dalana izay aloha ray faharoa manarakaraka an'izay nefany a amin'ilay hoe tsy anasa zany ny olona dia tsy maintsy any amin'ny lafin'izay varotra izay zany sisany mba hahafahany mamelona ny amponany kanefany a ny tena zavatra mampalailo zany dia lay fanenjehana an'izy ireny ary ny farana fibatana ny entana mihitsy ary ny tena ataon'ilay tompona andraikitra manala an'izy ireny zany raha ny fahitako an'azy aloha amin'ny akapobeny efa tena mirongatra dia mirongatra ary mihamaro dia mihamaro tsy fantatro na hoe vokatry ilay tsy fananana asa ve na ahoana fa tena mirongatra be zany mivarotra amoron-dalana misy tokony ilan'ny mpanjifa azy ireny ihany ary ve tena ilain'ny mpanjifa ihany ry zareo ka satria ny atsika amin'ny kapitala bedabe ny vahiny eto a ny fotoana enjikenjenany azy rehefa mandalo eto a dia zarany ary ny mahita eny amoron-dalana dia efa vita ny korsa tokony ho ataony dia mody izy ho anao manokana efa nividy entana tamin'ireny mivarotra amoron-dalana ireny fa anao raha eny a dia inona no antony misy fotoana satria misy ake zavatra tsy hita raha tsyreo zareo re moron-dalana eny misy fotoana ohatra hoe misy logiciel jereto dia reo moron-dalana ireny mora mahita an'ilay izy raha ohatra anay aloha manahirana anay ny antsofoko any magasin lehibe dia amin'ireny zany jery vidy izay amin'ireny manjifa amin'ilay amoron-dalana ny antony zany dia raha atao zany ny fampitana zany dia mpavilazinay moramora kokoa zany lay ny amoron-dalana par rapport an'ilay any magasin zay ley mba azo ny fahefahany vidy manao zany dia mba eny saika matetika aloha magasin any ohatra mbola tsy dia nanjifa tamin'ireny inona no vahaolana rosinao a mba tsy hisy intsony ilay fifanenjehna eo amin'ny mpiasan'ny kommuna sy ilay mpivarotra amoron-dalana ireo maromaro firaisana aloha zany lay hoe tsena vaovao ilay anampidirana any zareo zany mbola tsy mazatra olona ny makany dia tokony mba asiana lera fotsiny zany le amin'izao izy afaka mivarotra dia amin'izao izy no tsy afaka mivarotra ohatra hoe rehefa fotoana fandalovan'ny flo iny na prime ministre iny izy ny tsy mivarotra ohatra izay afatra azoko atolotra zany dia mba hoe raha ny mpafahana rivotra zany dia ohatra hoe mba fanisakisahana an'izy ireny zany mba mamonjy sisiny a fa tsy ampivoan'ny arabe dia mba alaminy izy zany mba mamonjimonjy sisiny zay zany mba zava-dehibe mba tiako apetraka zany zay mba afatra tiako apetraka zany mba misy fantaminana zany mba maromarotra iraisany aminahy zany aloha amiko manokana dia tsara zany ny jerena toerana ho an'izy ireny ray aloha izy zany hoe anokafana mety possible zany hoe anokafana tsihana vaovaory zany ho atao hoe ivarotany tsy fantatra na hoe mety amin'la zavatra midy zareo zay na tsy mety a fa zay aloha ny voalohany faharoa momba n'la hoe fandraofandraofana entana sisisy amiko angamba aloha tsy de mety loatra ny andraofandraofana n'la entana midin'izy ireny satria tsy aleo ve mijery anazy mangala mivarotra toy izay anaonao foana any ambadika ka amiko zany ohatra soa dia mba tsy izay fipetra tokony ho raisina hoe rofina etseroa ilay entana fa mba tokony isy ihany fieritreretana ny anokafana tsihana manokana ho an'izy ireo a ary mety aminao indray ary ve raha samy mampiasa ny sisina arabe a mpandeha tongotra sy ilay mpivarotra ka ny tiako apetraka zany dia hoe tena mamotsy mba hoe mba mahazo any amin'ny sisitsisiny mihitsy izy zany fa ambany trottoira mba misy hahafahan'ny olona mandalo ihany ka za hoe mba misy zany hahafahan'ny mpandeha mandalo misy keo hahafahan'ny mpivarotra mba maka sisiny tsara mba maka sisitsisiny e araka mba fahitako azy zany misy koa nefa reo mpivarotra zay eny amin'ny partiny izy no manao ny asany aona indray ny hevitrao momba an'ireny ka iny moa samy manana ny ino moa ty fidadavam-bolana di efa tery koa ilay toerana ilay ivarotana amoron-dalana zany dia izay mahatonga zareo tsy maintsy hoe amin'izay mety ala fotsiny ny entana izy zany mivarotra ary ianao ve efa mba nahita ny ireny hoe fifanenjehana na trangan-javatra ohatraohatra izay a eo amin'ny mpiasan'ny kommuna sy ny reo mpivarotra ireo tsoka tena hoentina anatsakosiny anazy ny entana dia vao avy ny kommuna dia fiondronana dia efa lasa mitsoka daholo mampalailo mihitsy mijery an'zareo aloha ny tena marina satria tsy manana fivelomanavatsy io mahita trangan-javaka betsaka mihitsy satsy hoe ray any ohatra zany eo amin'ireo ilay mpivarotra telefônina manodidididina ny jary iny ary dia tena mifanenjika amin'izareo ary dia tena hoentiny mihitsy azany entana nraindray rehefa azony eo misy afatra ary ve a tiano ampitaina
na ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana na ihany koa ho an'ny kommune Antananarivo renivohitra. Ny hafatra zany de hoe mankaheran'zareo tsy ho kivy fa hiezaka kosa hitadiny maromaritra iraisana entrany mpandrara ny responsable an'zareo sur zareo tokony misy maromaritra iraisana otiky misy fijerena manokana zany zay ny hafatra. Ny a zany tenaiko de manaova foana varota foana fa farany vereo fa elanyela tsy oleo ihany zareo anyenjika anareo fa mahereza fa io ny fidatavam-bola aleo manao an'io ta zay mangalatra. Ny avatra ho an'ny tompona ndraikitra zany de mba jereo le hoaviny le majinika fazafaly mampiasan'ny fahefana fotsiny. Ay, ho an'ilay tompona ndraikitra aloha zany mba afatra kely avaty aminah de mba jereo ihany apetao foana zany le limite de tolérance ny zavatra ohatran'ireny satria tsy aleo ve mijery an'le olona mbola veriko ihany mivarotra satria avy any amin'n tsy fananana asa avy any very asa ngeryan' olona ireny la plupart de tsy aleo ve mijery an'azy mivarotra toy zay anao zavatra betsaka be le zavatra hafalazaiko. Faharoa indray aho ho an'ny mpanjifa ho an'le mpivarotra amoron-dalana mihitsy zany aoka re tompoko mba ho jerena ihany koa ny lalan'le mpandeha fa tsy genena ho anareo rery le trotoara zay zany mba afatra kely avatirina. Savony citron frais mandratra tsara mora ampiasaina. Savony citron frais mateza manadio tsara. Savony citron frais manitra mety amin'ny hoditra rehetra. Citron frais hanitra natoraly. L'EFA accueille vos enfants à partir de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 10 ans. L'école franco-anglaise se caractérise par le trilinguisme en situation d'immersion linguistique pour le français et pour l'anglais, les apprentissages précoces et les cours de musique. Les effectifs dans les classes sont réduits et permettront un enseignement adapté pour chaque enfant. EFA Madagascar, l'excellence pédagogique au service de nos enfants. Rendray no masakazana tolotra ho anao any tokantrano any a ndeha aza misalasala miantso ny ekipan'ny Lamatinala raha ohatra ka hoe misy fanazavana tianao ho azo a aty amin'ny Lamatinala. Dia misaotra andreo mpiara-miasa rehetra mifandaharana ary tsika misy an'i Coupage izay miaraka amintsika isan'andro dia tononona ho any misotro rano isan'andro raha kely indrindra raha ilitatra sasany a dia miaraka amintsika hatrany Coupage vita ny gasy izy io a dia tsara dia tsara ihany koa. Ankoatr'izay ihany koa dia tadonona ny Maki Compania, ny Atelier de Haute Coiffure chez Rarpat etsy amin'ny Carleton, ny Coiffure du Monde etsy Ambodivona sy etsy Ampahibe eo akaiky eo ambanimbany keliny anambe Betongolo eo misy azy. Dia mba tontolo andro mahafinaritra ary azy sambatra lafatra ho anao any tokantrano any. Go, go, go!